Aujourd'hui, j'espère vous faire frissonner avec ce petit tutoriel guitare hommage à l'excellent John Carpenter, le réalisateur. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout sur la chaîne Roue Guitare celui-là? Vous allez me dire, mais c'était lui qui composait les musiques de ses films. À quelques exceptions près, je le concède. Vous ne le saviez pas? Eh bien si, c'est lui, en autodidacte parfait, avec son petit synthétiseur qui faisait les musiques de ces excellents films qui ont bercé mes jeunes années, on va dire, avec l'excellent Kurt Russell, New York 1997, Escape from New York, voilà tous ces films-là, The Thing, alors non, c'est pas lui qui a fait la musique de The Thing, mais Halloween, le film d'horreur bien connu dont nous allons travailler le thème musical aujourd'hui. Carpenter définit volontiers son style musical comme étant l'anti-John Williams. John Williams, le très très grand compositeur. Toutes les musiques de films de Hollywood, tous les George Lucas, tous les Steven Spielberg, le thème de Indiana Jones, le thème des Dents de la Mer, le thème de Star Wars, le thème de Superman. Enfin voilà, tous ces très grands films avec des musiques super mélodiques, super arrangées, magnifiques. Eh bien voilà, Carpenter, c'est l'inverse de tout ça. Je travaille instinctivement et c'est particulièrement vrai au plan musical. Cela n'a rien d'intellectuel, c'est seulement très émotionnel. J'improvise presque tout et cela surgit instinctivement du musicien qui sommeille en vous. C'est aussi une forme d'expression non littéraire. La musique occupe une grande place dans ma vie et j'ai seulement trouvé préférable de composer personnellement les bandes originales de mes films. En ce qui concerne le thème de Halloween, il dit que c'est le côté répétitif et minimaliste de la musique qui permet en fait d'ajouter de la tension dans les images. Et en effet, ce thème est hyper répétitif, c'est-à-dire qu'il va prendre un intervalle de quinte à partir d'un fa dièse à la septième case et il va faire donc un motif de croche et ça va être que des croches, il va pas y avoir une noire au milieu pour vous donner une pause, vous laisser le temps de reprendre votre souffle. Il va décaler ensuite d'un demi-ton. Le motif répétitif, vous allez le prendre à deux doigts comme ceci, case numéro 9 et case numéro 7, donc de la première et de la deuxième corde. Donc ça, c'est un intervalle de quinte. On va revenir dans un instant sur le motif rythmique qui est hyper intéressant. Et donc, pour étoffer le tout, on va rajouter une basse et là, il va ajouter en fait l'octave. Ensuite, la deuxième note de basse, là, ça va être la tierce mineure. Donc là, enfin, la tierce mineure, celle qui définit si un accord est majeur ou mineur. Enfin, bon, la tierce définit en fait la couleur de l'accord, du moins sa nature. Et quand c'est un accord mineur, eh bien, c'est une tierce mineure. Je ne vais pas vous embêter avec la théorie, mais sachez que c'est ça qui crée en fait le petit côté dramatique. Un accord mineur va sonner toujours un petit peu plus dramatique qu'un accord majeur. Donc, vous pouvez faire un demi-barré ou alors changer complètement le doigté et donc utiliser le doigt numéro 1 et 2 et 4. Et sur le dernier accord, il va simplement se décaler d'un demi-ton, mais là, il va utiliser un intervalle de quinte. Cet intervalle un petit peu dur qui ne permet pas de définir si on est dans le majeur ou le mineur. Et du coup, bien voilà, ça crée quelque chose d'un petit peu angoissant, on est dans le questionnement, est-ce que c'est joyeux ou est-ce que c'est triste? Le décalage d'un demi-ton, vous allez reprendre en fait le doigt numéro 3, 8e case et le doigt numéro 1, 6e case. Et vous allez jouer approximativement la même chose.
Ce qui est très intéressant, à mon sens, ici, c'est qu'il utilise des mesures à 5 temps, c'est-à-dire qu'on a du 5-4. Donc, au lieu de compter, comme d'habitude, des mesures paires, où là, vous allez avoir l'impression de retomber un petit peu sur vos pieds, là, ça va vous prendre à contre-pied au bout de chaque mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1. Donc ça, ça va être joué deux fois. Alors, je vous ai mis les tablatures à l'écran, vous venez de le voir, mais vous pouvez avoir beaucoup mieux que ça. Vous pouvez les télécharger au format PDF. Et Guitar Pro, je vous ai fait un petit arrangement de tout le thème. Donc, vous n'avez pas juste la tablature, vous avez la backing track également. Et ça, c'est disponible en ouvrant la description de cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre en devenant tipeur ou rejoindre la chaîne Ruguitar en tant que membre. Donc, vous cliquez sur le petit bouton rejoindre et laissez-vous guider. Je vais tout vous expliquer. Votre support est hyper important. Si vous êtes un petit peu nouveau avec la guitare, vous allez jouer simplement le thème, c'est-à-dire la partie haute, et ensuite décaler d'un demi-ton. Maintenant, pour que ça sonne un petit peu mieux, on va jouer l'arrangement complet et donc on va avoir les notes de basse. Mais là, vous n'allez pas retrouver les accords auxquels vous êtes habitué, les formes classiques. Ça va être des formes qui vont être un petit peu nouvelles et vous allez voir, il y a plusieurs doigtés qui sont possibles. Déjà, vous pouvez démarrer avec le doigt numéro 3, mais à titre personnel, en fait, je préfère avoir le petit doigt toujours en position. Le principal défi, ça va être à la fois de jouer net ces formes, mais également de pouvoir les enchaîner. Donc, si vous avez un doigté qui vous permet de jouer une forme de manière propre, on va dire, peut-être que ce doigté ne va pas vous permettre d'enchaîner de manière confortable avec le motif suivant. C'était donc notre hommage à l'excellent John Carpenter. Ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter cette vidéo parce que ça changeait un petit peu des tutos classiques avec des morceaux de rock ou des morceaux de blues. Et vous savez, les musiques de films, c'est quelque chose qui forge notre culture musicale, même sans s'en rendre compte. Elles sont très très importantes. À titre personnel, j'adore l'excellent Danny Elfman, qui est le compositeur de mon réalisateur préféré, Tim Burton. Alors bon, je les adore tous les réalisateurs. Mais c'est vrai que voilà, ces musiques ont énormément d'identité. Elles ont, à chaque fois, voilà, elles apportent énormément comme ça d'émotions et d'atmosphère. Donc ça a été un réel plaisir de faire ce petit tuto qui m'a permis de faire un petit flashback dans mes jeunes années et les vôtres. Je le pense également, on s'abonne à la chaîne Ruguitar pour ne rater aucun de mes tutos. Vous savez, le prochain tuto, c'est peut-être celui qui va vous aider à débloquer votre jeu de guitare. À très bientôt, bye bye.